abandonné les mains au foufoula. Il a appelé pour comme puis au pas nous venons nos vies comme il y a lui et à diplômé tout bien fait nos peuples vous va combien pour la fille et en tant quoi pour l'ami des peut-être que si à nous on y a un ami et à promis pas et pas pour la logique attend bien quoi de lui et le plus fier les tomiques attend bien mais un amour bon qui concorde. D'Alan. Amen.
premier de comme tu fia elle n'aime pas il doit les quatre ans bien pour moi et après quand il y a bien bien du plein sur plat mais je suis bien bien le long de la nuit bien dans la nuit mais bien bien mais bien du genre. Mais les gars, quand bien tu m'as dit que c'est à Dieu, que ce Seigneur en lien, que c'est le tonton. Moi, c'est ma mère, bien, je ne sais pas, pour ma haut. Les filles, elles m'ont bien, les autres, d'aller à toi, Jésus-Christ, pas pour nous. Bien, les autres, d'aller pas pour nous. Mais encore, à ton prix. Et que les gars, après, t'as rien, rien, non, après, on a fait le renouvel. Demeure dans l'amour du Seigneur. Je suis le vigneron. Pour ne pas dire je suis la Bible, dit Jésus. Nous sommes un temple. Et nous voyons que dans nos jardins, aux alentours de chacun de chez nous, on est en train de demander des arbres, on est en train de leur donner la possibilité de revivre. Voilà. C'est ça le printemps. Avec le printemps, tout revient. Tout est renouvelé, la nature se renouvelle. Dieu nous appelle à la vie. Dieu nous appelle à nous renouveler. Et comme le printemps, pour se renouveler, notre vie a besoin d'être constamment nettoyée. Notre vie a besoin d'être émondée, taillée. Émondée de tout ce qui l'empêche de croître et de fructifier. Toutes les choses inutiles qui parasitent notre vie et son épanouissement, son témoignage, doivent être enlevées. Ce n'est pas toujours un processus simple ni facile. On est bien plein de tout ce qu'on aime. De plein de tant de choses, et parfois de choses inutiles. Prenons l'exemple de nos maisons. Nos cagibis, nos chambres, sont pleines de choses dont on n'a plus besoin, mais dont on n'a pas envie de se séparer. Et on les prend, on les dépose de côté ailleurs, on les prend d'un endroit, on va les déposer ailleurs, on dit, je m'en servirai un jour. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans passe, on n'a pas touché, on prend, on le dépose à un autre endroit, on va s'en servir un jour, un autre jour. Pourquoi ne pas s'en séparer? Ça peut servir à d'autres. Partageons. Encombrés comme nous le sommes, parfois, nous ne pouvons ni avoir le temps, ni la volonté d'aller à l'essentiel. L'essentiel, selon Jésus, c'est tout d'abord de rester attaché au sève. Nous coule la sève indispensable à notre vie. C'est ensuite accepter d'être débarrassé de tout ce qui nous encombre. Souvent, et ce qui nous encombre souvent, c'est notre moi. C'est notre moi. C'est accepter d'être débarrassé de tout ce qui nous encombre, même si cela peut être douloureux pour nous. L'essentiel pour Jésus, selon Jésus, c'est enfin porter du fruit et ne pas les garder pour soi, mais savoir aussi les partager. Partager, c'est partager le fruit de l'esprit. Nous sommes appelés à entrer dans la vie et à accepter le vigneron qui est Jésus, le Christ. Nous sommes appelés à porter, grâce à lui et à son œuvre, l'œuvre de son esprit en nous, à porter du fruit, ce qui reste un défi, un enjeu pour notre foi. Pour relever ce grand défi, osons nous saisir de ce que les jardiniers utilisent généralement pour couper, pour demander de notre. Osons nous saisir du sécateur que Jésus nous tend. Ce sécateur, c'est sa parole, c'est son esprit. Il nous le tend pour émonder, tailler, couper. T'as émondé ce qui peut porter la vie,
tailler et couper ce qui ne relève pas notre vie de la mort. Tout ce qui, dans notre vie, ne mourit pas, ne mourit pas la mort. Sans cela, l'entreprise que nous essayons d'initier, toute entreprise est appelée à ne pas produire de grands et de bons fruits. Et particulièrement aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés, d'abord pour notre vie quotidienne, ensuite pour notre assemblée générale consécutive de l'association qui va naître tout à l'heure. Nous sommes là à trouver une sage-femme pour la faire naître. Nous sommes dans la salle d'accouchement ici. Si nous ne risquons pas, nous ne prenons pas ce risque de cheminer avec Jésus, notre entreprise que nous finissons ce jour risque de ne pas tenir debout, de ne pas tenir debout. Et ce travail de nettoyage, chacun doit le faire dans sa vie d'abord. Car autant nous sommes nombreux, autant chacun et chacune représente un maillon fort ou faible de la chaîne que nous constituons. Et une seule personne peut faire chavirer tout, peut tout faire chavirer si chacun ne fait pas ce nettoyage dans sa vie. Une seule personne, une seule langue, un seul geste peut détruire toute cette harmonie, peut détruire tout ce que nous avons à faire. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à tailler tout ce qui ne porte pas vie, tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui ne peut pas construire. Et c'est sa parole et son esprit qui peuvent nous aider à y arriver. Demandons au Christ Jésus de nous garder et de nous aider afin que tout ce qui se fait dans son nom porte des fruits dignes de son nom. Oui, nous prions avec cette peur qui dit « Jésus est tout pour moi ». Dans ma faiblesse, Jésus soit ma force. Dans ma pauvreté, Jésus soit ma richesse. Dans ma solitude, Jésus soit mon compagnon. Dans mon égarement, soit mon berger. Dans mes erreurs, sois ma sagesse. Jésus-Christ, dans mon angoisse, sois mon espérance. Dans mon tiraillement, sois ma paix. Dans ma tristesse, sois ma consolation. Dans ma défaite, sois ma victoire. Dans mon humiliation, sois ma gloire. Jésus-Christ, dans mes ténèbres, sois ma lumière. Dans mon péché, sois mon pardon. Dans mon injustice, sois ma justification. Dans ma perdition, sois mon salut. Et quand arrivera le moment où tu m'appelleras, sois ma vie éternelle. Jésus, tu es tout pour moi, tu es tout pour nous. Que la gloire te revienne, toi qui t'es donné. Pour notre vie, notre salut. Amen. Dans la confiance, je vous invite à lever pour que nous réaffirmons notre foi. La première, la vie personnelle, la vie, la vie, la vie, la vie, la Thank you.
notre rêve que nous avions engagé par la prière que nous avions eue, la soirée de prière que nous avions eue pour le Togo, ne cessons pas de rêver pour un Togo paisible, un Togo qui nous accueille tous dans la joie, dans la paix et dans la fraternité. Un Togo où chacun trouvera sa place, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenons donc ferme. Seigneur notre Dieu, notre Père, que
tu as créé, mais tu aimes le mal qu'il y a en l'homme. C'est pourquoi nous pouvons, avec confiance, te soumettre et confier aussi aujourd'hui ce qui dirige le trône, afin que ton esprit crée en lui une petite lumière, pour qu'ils aient un petit sentiment d'amour et de partage avec ce peuple qui a eu trop souffert. Donne aussi d'apprendre à te faire confiance, à marcher avec toi, à nous tenir répandant devant toi de tout ce que nous avons pu faire pour te désobéir. Tu es Dieu de pardon, déverse ce pardon sur ton peuple. Aie pitié de nous. Et nous savons que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Que tu nous aimes tous, du dirigeant au plus simple des Togolais, tu nous aimes tous. Et que c'est le même amour que tu as mis dans notre cœur. Esprit Saint, éclaire les cœurs et extirpe le mal qui nous détruit. Le mal qui prend de l'ascension sur nous, sur chaque certain d'entre nous et sur nous tous. Afin que la violence, la brutalité fasse place à ce fleuve d'amour que tu as semé en nous. Fais-lui ta lumière qui éclairera afin que l'esprit du mal quitte notre territoire, afin que nous puissions nous retrouver, qu'on puisse entendre sur ce qui est essentiel et ce qui est bon pour ton peuple. Nous te louons et te confions tous ceux qui sont sur le champ, le terrain aujourd'hui, ceux qui reçoivent les balles, ceux qui sont tabassés, ceux qui souffrent psychologiquement. Et même les dirigeants, ils ne sont pas à l'aise dans tout ça. Ils n'ont pas la paix. Sauve-les, aide-les à retrouver la paix. Et c'est quand ils retrouveront la confiance et la paix en toi et en eux-mêmes, ils seront libérés. Pour libérer ce peuple qui tient. Tu nous as confié ce pays à tous. Aide-nous à avoir chacun son territoire pour cultiver pour le bien de tous. Touche les cœurs. Que ce dialogue qui est bloqué, toi-même tu sais comment faire, mais tu as toujours une solution. De grâce, parce qu'avant nous te remercions de ce que ce pays n'est pas devenu un désert et que l'esprit de guerre n'est pas prévalu sur l'esprit de la paix. Ça, c'est déjà pas rien. Tu as sauvé 1000 fois le trou de la guerre. Tu ne nous laisseras pas entrer. Et si nous te critiquons parfois, ne te sentons pas, ne t'entendons pas, regardons seulement autour de nous pour nous dire, heureusement que nous avons frôlé, mais nous n'avons jamais pris dans cette guerre qui nous guette tant. À toi la victoire, pas à quiconque, à toi la victoire, Seigneur, remets-nous de nous. Et que la gloire te revienne. Thank you.
sont de ce chant qui se nourrit. Thank you.
Thank you.
te dormir.